Salut à tous, c'est Quincy. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Fondation pour la suite de notre série qu'on est en train de continuer et qu'on va peut-être essayer d'accélérer un tout petit peu parce que mine de rien, on est déjà en octobre et à la fin de ce mois-ci, il y a un tout petit jeu qui sort qui risque de pas mal monopoliser la chaîne aussi à partir de novembre. Et ça va être, vous l'aurez deviné, Cities Skylines 2. Donc, il va falloir faire un truc. Tiens, on commence la partie, il y a un vol. C'est génial. Il est où? Il est là. Toi, tu couvres pas assez de... C'est pas ouf, mais là, en même temps, on a... Ouais. On pourrait avoir... Le problème, c'est que j'ai pas envie que ce soit des moines. Parce que ça, c'est un moine garde. Et 8 gardiens. Ce serait bien qu'on mette autre chose que des moines en gardien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste... au niveau de l'administration, pas un fort militaire, mais un manoir. Sauf que ce sera pas un manoir, ce sera des gardes. On va sélectionner une fonction, ça va être des gardes ici. On va se mettre une petite pièce tranquille. Petite tour en bois. Pas besoin qu'elle soit énorme. Juste à côté du chemin là. On peut même la réduire un petit peu. Pour qu'elle soit vraiment petite. Hop, comme ça c'est parfait. Et on va dire oui. Hop, voilà. Avec le bruit des abeilles. Et donc on continue. Alors qu'il neige, bien évidemment. Ah, c'est toujours en pause parce qu'on attend, notre verre. Verre qui vient vraiment tout doucement. La pierre 295, on est toujours loin de ce qui était requis, hein, pour continuer. Et donc on va pas pouvoir faire grand chose. Là, ça monte un petit peu. On a de plus en plus de connaissances des animaux. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Des nouveaux arrivants, certes. Mais je ne pense pas que j'ai besoin de trop de choses. Apiculteur, oui. Transporteur, dépôt, grenier. Ouais. Bon. C'est la même chose ici aussi. Pas besoin d'en mettre de trop. Les gardiens, cabane à ruche... c'est lequel? C'est celui-là aussi. Il n'y a pas besoin que ce soit trop. Toi, t'as suffisamment de bougies et de manuscrits. Donc ça avance bien. Donc ça, on sait que ça utilise énormément de manuscrits, mais jusqu'à ce qu'il y en ait... jusqu'à ce qu'on arrive à 50, une fois que ce sera 50, ça va arrêter d'en utiliser. On pourra accumuler un peu plus de manuscrits. Faire autre chose. Du coup, ici, ça, est-ce que j'avais quelqu'un ici? Atelier de bougies, oui. Atelier d'objets usuels, oui aussi. Avec du fer, on utilise pas mal de fer. Le tailleur, ça a l'air d'aller. Je fais suffisamment de vêtements. Alors, les vêtements, on a suffisamment. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, il n'y a pas tant que ça de vêtements. Ça, il nous faudrait de la science. Ce serait pas mal. Et donc l'idée... Ça prend quand même pas mal de temps. L'idée, ça va être qu'on va commencer à essayer de construire autre chose aussi à côté. Une chose que j'aimerais bien, c'est faire au niveau du manoir, je pense. Si je le mets là, par exemple. Est-ce que j'ai envie de faire le quartier du conseiller? Chambre du majordome, non. Mais c'est le quartier du conseiller. Ça va être un citoyen. Est-ce que j'ai des bâtiments spécifiques pour ça? Porte, cheminée... Non. J'ai juste...
les gros trucs ici. Ah ouais, on va tester. Sale, c'est pas mal ça. Ça marche, taille de pièce 10. Ouais, c'est même plutôt cool. Ça monte pas plus haut que ça, d'accord. Passage en pierre, c'est tout petit. Salle en pierre. On peut faire ça comme ça. Donc lui, il lui faut deux pièces. Alors c'est marqué qu'il faut deux pièces, trois décorations et une décoration d'ordre. Décoration d'ordre, c'est quoi? C'est ça? Attendez, si je me mets comme ça, que toi je te mets un peu plus ici. Pas là-bas, mais là ce serait mieux quand même. Sachant qu'on a l'avenue ici. On avait les étables couvertes. En ce sens-là, c'est mieux. Comme ça, c'est pas mal. Avec... très bien, une porte. Donc, je peux pas... si, je peux te mettre là. C'est pas ouf, mais... on va te mettre là. Une cheminée derrière ici. Il va nous falloir trois décorations. Ça fait une décoration. Non. Hop, hop, hop. Trois décorations, on a dit. Un petit banc. Tchère. Mais c'est pas grave. On va mettre un banc ici. Ainsi que... ça, là, ce serait pas mal. Nouveau récit peut-être entendu. C'est quoi comme récit? Pièce de monnaie excédentaire. Je sais, je... t'inquiète pas. Donc ça, ça marche bien. Ça, c'est le manoir. Ça, c'est pour notre quartier du conseiller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Petite trésorerie. On a des gardes ici. On n'a pas forcément de gardes. Je vais mettre une petite tour de... je vais mettre ça comme ça ici. Ça pourrait être pas mal. Avec une porte ici. Voilà, pour avoir des gardes. En espérant que ça marche. Et trésorerie, je mettrais bien alors. Notre trésorerie derrière ici. Peut-être un peu moins grande. Ça, ça fait déjà une bonne pièce. Hein. Ça, ça rajoute 150 seulement. C'est pas ouf. Passage ici. Avec une tour qu'on va mettre un peu plus haute. Ouais. Ça, ça fait quoi? Ça fait 120, plus 90, plus 210. Ça fait 300, 420. C'est pas mal. Pas mal. Petite porte ici, dérobée comme ça, c'est pas trop mal. Petite cheminée comme ça pour le fun. Avec... ce qu'on pourrait mettre... je vais mettre un petit truc comme ça. Avec derrière des murs, mais il n'y a pas encore de mur derrière, c'est pas très grave. Je vais juste garder la porte comme ça. C'est cool. Et on va construire ça. Hop, construire 240. Boum. Toi, tu construis ça comme ça. On aura les gardiens et tout. Donc eux, ils vont commencer à construire. Ça prend un petit peu de pierre polie, mais pas trop trop. Le reste, ça a l'air d'aller. On a 632 de pierre polie. Ça, c'est plutôt cool. Il est comment, notre... ça, c'est bien. Il faut juste un gardien. Donc, on va attendre qu'on ait des nouveaux arrivants. Ça arrive. C'est parfait. Là, t'es à 17 sur 29. Ça demande encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. C'est pas... c'est pas folichon. Mais bon, on fait avec. Voilà, donc de nouveaux arrivants. Toi, tu vas aller en tant que gardien là-bas. Bon, on va attendre un petit peu.
Donc on va avoir notre personne ici. On pourrait mettre un jardin ici aussi. Pourquoi pas. Le fait qu'on ait des gardes ici, ça permettra d'améliorer ça un petit peu. Et il va falloir qu'on songe, sachant que... Ouais, si on a ce terrain-là, donc c'est bon. Il va falloir juste couper tout ça. Et pour l'instant, là, on fait de la chasse ici. Comment est-ce que je vais faire le... Je vais faire une porte ici. Je vais recommencer à regarder un peu. Un peu tout ça. Mur, non. C'est dans les monuments, il me semble. Ouais. Un intendant de l'évêque s'approche du village. Parce que là, si je fais ça ici, j'ai quoi comme fonction? Castle Gate. D'accord, je peux faire pas mal de choses ici quand même. Vente de biens, brasserie. Je peux faire tout ce que je veux en fait. C'est génial. C'est spécial. Conseiller. Trésorerie, bureau des impôts, forge, atelier de construction, bijouterie. Il n'y a pas garde. Il n'y a pas garde. Ah si, soldat, non. Pas garde. C'est très étonnant ça. L'intendant de l'évêque, il veut quoi? Acheter du pain, des herbes et machin, non. Rouge, bleu, gris clair. C'est bien, ça va pas être chiant. Si je mets ça en trésorerie, juste pour voir. Hein. Ça correspond. Construction aléatoire, non, pas forcément. Après, voilà. On retrouve ce qu'on avait il y a longtemps déjà. Juste en beaucoup, 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 beaucoup plus détaillé. Donc c'est, ça va être quelque chose d'assez formidable à faire. Sachant que ça va coûter... ça coûte pas trop cher, j'ai l'impression. Grand portail avec plancher, grand portail avec sol en pierre. Imaginons. Je vais mettre le portail ici. Ah d'accord, ça s'arrête comme ça en fait. C'est grand portail... D'accord. C'est grand portail vite fait en fait. Si je te mets là. Ça monte pas des masses. Ça ramouille bien. Hein. Est-ce que je te passe en vitesse 2, ça irait pas mieux? Parce que là, c'est exactement la même chose. Donc on partirait sur quelque chose comme ça. Donjon avec plancher, non, pas forcément. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Avec des ours. Ça, vite fait. Ça, c'est trop bon. Ça, ça marcherait bien, mais pour d'autres trucs. Donc, ouais, il y a de quoi faire. Alors, après, ce qu'on peut faire aussi, c'est toujours la même chose. C'est quoi ? Faire ça et regarder ce qu'ils nous disent en tant que petit château déjà construit. C'est très rigolo. Il n'y a pas une porte. Petite tour carrée à grand part. Grande tour carrée. Grande tour. Est-ce que c'est la même à chaque fois? Non, c'est aléatoire. Donc petit château, à chaque fois, il va nous le faire aléatoire. C'est chelou, hein. C'est très très chelou. Donjon sans rempart. C'est ultra 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 chelou. Bâtiment principal. Construction réglable en hauteur. D'accord. Corps de bâtiment. Machin. Tour octogonal.
fait des trucs sympas, mais alors pour essayer d'avoir un truc cohérent, ça va être spécial. Ça va être très très spécial. Alors, admettons. Ça, ça marche comment? C'est carré comme ça. Pas exactement ce qu'on veut. Non, mais ça, c'était bien. C'est avec un portail en pierre comme ça. Donc, en l'alignant à peu près ici. Faudrait que ça passe pas trop haut. C'est que la première enceinte, au final. C'est que la première enceinte. On va faire ça comme ça. Si je mets deux tours à côté. Surplomb à côté, surplomb de côté adjacent. Donjon excellent pierre. Le problème c'est que c'est... Ça fait gros pour ce que c'est. Pierre état niveau exemplaire atteint. Là, j'ai quoi débloqué? Pas mal de trucs, j'ai juste pas les points. D'accord. Mais... Ah oui, c'est vrai qu'on avait... C'était quoi? C'était celui-là, l'effet du bonheur sur les taxes foncières. Entretien des bâtiments du tiers état. Salle de guilde. Chambre de la noblesse. Taxe sur les forges. Cuisine de taverne. Les impôts concomitants. C'est rigolo. Oh là là, coup de chien là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le problème, c'est que sur plan de côté, c'est pas forcément. Il me faudrait une truc plus grande en fait. Une tour plus grande. Et ça va commencer à être. Petite tour carrée. Le problème, c'est que c'est petite tour carrée. J'ai pas une petite porte. Ah, parce que si on fait un portail étroit. Si on fait un portail étroit, qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, c'est vraiment étroit en fait. Je pense que ça, je vais arrêter là. Ouais, hop. Je vais pas le faire ici, ça va demander un peu de réflexion, ça prend énormément de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je le ferai en timelapse, ce truc-là. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps et ça va pas forcément être... C'est très rigolo, mais par contre en timelapse il y a moyen que ce soit un peu plus intéressant. Par contre celui-là on pourrait le continuer. On va pouvoir le continuer bientôt. Ici. 17 sur 29, ouais non, ça met toujours un max de temps. Hein. Pas d'accès à carburant, toi t'es à 42. Toi tu veux quoi? Beau pour le prévôt. Il y a moyen. Hein. Ça marche. Pour livrer. Et donc après, édite et privilèges. Ouais, il m'en manque un ici. 10%. Donc voilà, si je fais le tiers état et qu'on passe à moins 25. C'est pas mal déjà ça. Hop, comme ça. Normalement, là, on devrait payer moins. Normalement, on devrait payer moins. Base, trésorerie, résidentiel, état de marché. Ouais, non, ça reste correct. Ça reste très, très correct. Il faut juste qu'on trouve de quoi. Oui, voilà, ça va remonter. C'est parfait. Citoyen, 3 nouveaux. Eh ben, tiens. On va avoir une conseillère. Même la conseillère. Hop. Jolie. Elle est jolie, la conseillère. Et on va avoir deux gardiens. Voilà. Eh. C'est pas joli, ça.
Merguette de Miracle. La dame Miracle en plus. C'est pas classe. Elle est partie, je sais pas où, mais. Quelque part. Mais du coup. Ouais, donc le château, il va demander un peu de réflexion. Il va falloir que je fasse ça à tête reposée. Tout en tournant, tout en faisant du timelapse, ce sera, je pense, la meilleure des solutions. Là, il y a 550. Vous savez quoi? On va réavancer ça. Il va emmener toutes les pierres. Il manquera plus que le verre. Mais ce sera déjà un bon truc. Bien que la plupart sera fait déjà. Après, c'est juste... ça va être les vitraux, principalement. Qui vont avoir besoin d'être... faits. Et elle, normalement, elle devrait commencer à produire des trucs comme ça, donc on devrait avoir de l'autorité qui remonte un petit peu. Les baies, on a vraiment pas grand-chose, hein. C'est assez hallucinant. Le problème, c'est que... Je crois qu'on en a pas assez. C'est que ça produit pas, quoi. C'est que ça produit juste pas. Ça, est-ce qu'il y a moyen de produire plus? J'ai pas l'impression, hein. Non. J'ai pas l'impression. Et après, c'est les poissons qu'on va pouvoir améliorer. Soit un 18. Le poisson, là, il y a combien? Il y a quand même 900 de poissons, hein. C'est pas non plus dégueu. Le pain, il y a plus de... D'accord, il y a plus de blé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait 1000 de blé et d'un coup, il n'y a plus rien. J'ai pas rêvé, on avait bien 1000 de blé à l'épisode précédent. Où je considérais même mettre un nouveau moulin parce qu'il y avait trop de blé. Et là, d'un coup, on est passé à que dalle. Pas d'accès à la nourriture, bah ouais, je veux bien croire. Ouais, c'est bizarre, à chaque fois qu'il y a une petite mise à jour de mode, ça a l'air de rééquilibrer des trucs. Il n'y en a pas souvent, mais alors quand elles y sont, ça les font mal. Donc ça amène des trucs. Là, ça a bien construit d'un coup. Ça fait plaisir. Normalement, là, on a suffisamment pour que ça vienne... Ah mais non, mais j'ai regardé 580 ici, je sais pas. Idiot bête. Un émissaire. Célébrer le tiers état... Non. J'ai déjà pas assez de bouffe, alors si en plus... C'est peut-être pas la bonne idée. Du poisson, il y en a. Faudrait faire quoi d'autre? En bouffe, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire. Si, des œufs. Des œufs, il n'y a que dalle. Admettons. Donc on a un tout petit. Pendant qu'on a un tout petit peu d'argent. Si je vous mets là. Voilà, éleveur de volaille, collecteur de potins, éleveur de volaille, ça c'est pour les œufs. Non. Maison, assigne une fonction. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi signer une fonction avec les machins? Non, occupe-toi inférieur. Non, c'est pas ça. Je l'ai pas vu arriver ça, il y avait ça. Hein. J'ai eu deux trois modes qui se sont mis à jour là. Et pour le coup, c'est spécial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors 35, 50. Pour multiplier la production de ressources par 2. Go. Allez, on teste. On va tester ça.
On va tester ça. Voir ce que ça donne. Parce que ce serait peut-être le moyen de commencer à remédier à nos problèmes de bouffe. Quand faut-il que quelqu'un vienne le construire? Si, t'apporte un outil. Un seul? Il y en a 174, va falloir y mettre un petit peu de volonté. Putain, ça coûte 35 par contre. Le reste va commencer à piquer, mais ouais, parce qu'on vend plus de vêtements. Ouais, non, les mises à jour, elles ont... Je pense que les mises à jour ont légèrement fait déconner le truc. Du coup, il va y avoir Moutmout. Il va y avoir Mouton quelque part, là. Ici, non, pas les vaches, pas le machin. Quoi qu'on pourrait... La place ici, mais là, c'est... Ah non, je pourrais faire ça ici. J'ai du lin. Je n'ai pas encore débloqué le lin. Si, je l'ai débloqué, là. Ferme de lin. Pas du coton. Pas du coton, non, du lin, du coup. Changer un petit peu que des moutons. Production de ressources. Ensemble, moulin à eau, non. C'est vrai qu'on pourrait faire des moulins à eau aussi. Armurier, forgeron, fonderie, quand non, ça doit être dans les productions de biens, ça. Tannerie, non plus. Ferme de lin, voilà. Alors si je te mets en garde la ferme du lin, étang de ruissage. Du 5 lin, oui. À partir de 5 lin. À l'aide de lin, oui. Ça, ça produit du lin séché. D'accord, donc on va avoir ça ici avec ça ici. Ça, je vais pas pouvoir le mettre tout de suite, mais c'est pas grave. Et ça comme ça. Voilà. On va faire fonctionner ça, puis on mettra le champ ici. On attend d'un bâtisseur, on attend toujours le bâtisseur, hein, par contre. On s'emmerde un peu. Là, c'est bon. Mais en fait, non. C'est génial. Que mine de rien, on perd entretien. Ouais, l'entretien, ça fait mal. L'entretien fait relativement mal, ça fait encore plus mal après. Sachant que j'ai beaucoup moins de commerce à cause du fait qu'on n'a plus de vêtements. Simplement. La laine, il y en a un petit peu ici. Il y en a un peu là. Le problème, c'est que ça... J'ai que lui qui en produit, ça. Du coup... Il va falloir un autre atelier de tisserand. Je vais mettre derrière. On va en mettre deux à base de laine. Le premier à base de laine. Qui va se mettre là. Et l'autre à base de toile de lin. C'est un peu dommage que ce soit le même bâtiment. C'est pas grave. Mais au moins celui-là, normalement, il devra pouvoir faire deux trucs à la fois. Et avec un peu de décoration, ça devrait aller. Du bois, on est comment? 133, ça va? Ah non, mais c'est assez violent, en fait. Il se passe quoi? Les mises à jour, quand vous n'êtes pas préparé, ça peut vous foutre en l'air une partie. Direct. Enfin, foutre en l'air, non, mais... ça se passe pas comme prévu, là. Tu l'as construit ton truc? Oui, tu l'as construit. Là, j'attends plus de... Vite. Ça a l'air de...
Je sais pas. Je sais pas ce que ça a l'air de. Ça produisait 4, maintenant ça fait 8. 12. Ah, si ça va un peu plus vite, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Parce que là, il n'y a plus rien. Niveau bouffe, niveau... Il n'y a que dalle, en fait. Le blé, si, ça remonte un tout petit peu. Le pain, ça remonte un petit peu aussi. C'est pas... C'est assez violent, mais... Bon, ça, ça se construit. Ça va prendre 400 ans. Toi, ici. Hop. Avant que vous partiez, les copains. On va avoir un producteur de lin. Ça... Ah, c'est du lin, oui, en lin. Et ouais, mais il me faudra du lin séché avant. Enfin, il faudra du lin lin. Le hangar à lin n'est pas fait encore. Allez! On y est presque. Vous allez y arriver. N'empêche, ça va faire du bien de changer de jeu aussi. De passer sur... sur City Skylines. Je pense que ça va faire du bien. Et j'ai même pas regardé une seule vidéo de gameplay de quelques chanceux de youtubeurs qui ont eu accès au jeu. Tiens, allez, je vais mettre du lin partout ici. Hop. Ça, ce sera fait. Et de nouveaux arrivants là. Hop hop. Ce sera pas de trop. Ouais, j'ai vraiment regardé aucune vidéo sur, sur City Skylines. Juste le fait de voir les vignettes. J'ai déjà la hype. Donc maintenant il va juste falloir attendre un petit peu. Et ça va venir vite, ça va venir très vite. Ça va venir très très vite. Voilà, donc on a notre ferme de lin construit. Lin séché. Avec un peu de chance, on aura du lin ici. Il va falloir que... Est-ce que j'ai de la place là-dedans ? Cire, vêtements, cuir, tissu, laine, verre, charbon. Tissu... Et quoi? On va mettre du lin plutôt que du tissu ici. Comme ça, toi, tu vas pouvoir nous faire du lin. Ça va l'amener ici. On a de la laine qui sera utilisée ici. Ça va être pas mal. Parce que là, là, ça devient critique, en fait. Si en plus de ça, on n'a pas de vêtements, ça va être un petit peu galère. Comment ça se passe ici? Ça se construit. 511. Ça pique un peu quand même. Ça pique beaucoup même. Les œufs, bon. En même temps, on n'en a que un. Donc, peut-être laisser le temps. Peut-être laisser le temps au temps. Mais a priori, ça aide un tout petit peu. Évidemment, il va pas planter au-dessus des cailloux. Enfin, de l'argile, là. Pas grave. Il plantera autour. D'accord, donc il m'a mis en fait. Ah non, non, il m'en a mis deux ici quand même. Il m'en a mis deux quand même ici. Je les vois pas travailler, mais c'est pas grave. Je sais même pas s'ils ont assez de place pour bosser. Enfin, s'ils ont même. S'ils ont assez de. Leur toit là. Crèche ouf. Ah si, tu craches à côté en fait. Mais il y a de la place. Il y a de la place. Ça marche bien. Bah du coup, vous deux là. Vous allez venir en renfort. Vous allez venir en renfort. Et on va pas tarder à arrêter l'épisode ici parce que mine de rien... Déjà un petit bout de temps. Donc voilà, bon écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va, ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, j'essaierai de mettre en place, vu qu'on a ça là, ça me fait monter l'autorité un petit peu. C'est pas mal.
Ça augmente notre capacité de 401, mais bon, c'est pas énorme. Alors, ce que je ferais, c'est que ouais, je ferais le château, ou du moins le début du château, en mode timelapse. Parce que sinon, ça va être un peu difficile. Ça avance. Doucement, mais ça avance. Et comme ça, on pourra avancer un petit peu. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut.